Allô? Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je dis assez lundi. Et normalement, c'est un jour que je suis de la caille, je travaille à la caille, mais pour les besoins du service, je viens de travailler, je viens de la base, dans la base générale. Alors, nous allons dire que les nous allons monter, nous allons dire que c'est un temps de moins. Et monsieur Louis, est-ce que vous entendez là? C'est pour le monde qui branche là. Et est-ce que vous entendez là? Ça va passer. Est-ce que vous entendez moi pour me déraper? Avec Tico Zia. Rappelez-nous, il fait frais de parquet, même toi, Fridiane. Donc, nous allons dire si nous entendons, nous sommes capables de commencer à déraper là. Comment on dit, oui. Bonjour. Ok. Bonjour, mais nous déraper où? Là, je dis, c'est lundi et 20 novembre. Donc, moi, nous allons pratiquement aller sur une station semaine. Fête aux États-Unis, c'est-à-dire que tout le monde a préparé la dégage de petit argent pour cacher Coden, il y a le fête Coden aux États-Unis, donc c'est jeudi, c'est le dernier jeudi du mois de novembre, c'est le sacre américain célébré, il y a le Thanksgiving, fête d'action de grâce, c'est l'américain, merci de mettre là, parce qu'à l'époque, immigrants anglais qui étaient élevés, et aux États-Unis, ça les États-Unis, je dis à l'époque, ça, quand vous avez tapé tout, et puis vous avez un bon coup de marron qui est passé sur le bio, ou est sur le côté de l'eau, bien, les États-Unis ont fait une fête avec le côté de l'eau qui était jeune, qui était tout, et puis qui était capable de manger. Et depuis les Américains, pratiquement, ils ont considéré cette date-là, mais depuis qu'ils ont parlé d'histoire autour de date Thanksgiving, qui l'a été adopté, qui vient en fait officiel, en fait fédéral, et c'est juste que les Américains célèbrent. C'est juste que les familles réunissent tout, et ils ont mangé en famille, les familles voyagent à l'autre, puis ils ont mangé, etc. Donc, c'est un gros fait lié pour les États-Unis, donc, c'est juste que les Américains sont allés, ils partagent nous. Là, c'est juste que nous avons mangé. Mais pas partant pour la caille, les 2 janvier, nous achetons que nous faisons année à bas, que nous mangeons pour le 2 janvier. Bon, les États-Unis, comme son pays, bail, ils sont ioniques. Je ne sais pas combien de temps. Ça ne va pas durer assez. Et peut-être si vous avez deux mois de bio, bah, vous avez entré en bas, on fait de manger là, faire grandir rapide là, et puis faire de chair, et puis vendre. Bah, il y a une compagnie même qui a vendu Coden. Quand vous mangez ça, vous faites seulement des visites pour la valise là. Et puis, il y a plusieurs centaines, milliers de codes que vous n'avez pas mangé, les codes qui viennent dans le polyvère. Puis, vous le cuir lié et puis, vous revenez. Je dis à tous, c'est une tradition, tout. C'est juste que le président américain, et le président américain dans la tradition, il a pardonné 2 codes. Il a dit c'est 2 codes qui ne peuvent pas être sur la table américaine. Donc, les Américains ne peuvent pas manger 2 codes. Donc, ce sont 2 codes que le président, sont symboles liés, ils ont pardonné. Et 2 codes, ils l'ont ferme. Non ferme, les soutiens non ferme, ils vont de l'autre côté, non parc, etc. À côté de Palville, Restville, jusqu'à ce moment. En général, c'est un couple. Et il y a un nom, mais il y a un nom, il y a un nom, il y a un dossier ça pour. Et Sandra Le Maire a gagné son dossier, Sandra Le Maire a penché sur lui. Donc, nous allons parler dans un programme spécial de pardon que le président fait de Colin Sarro. Sous plan international, il y a un conflit Hamas-Israël là, donc qui continue. Il y a une négociation qui a fait, en fait, presque, d'après ça, qui monte qui poste une négociation, il dit que l'État semble capable de faire une négociation qui a fait pour qu'il arrive à une libération. Plusieurs en otage, si ce n'est pas pifo là-dedans, si ce n'est pas tout. Mais jusqu'à présent, les autorités ont été réticentes pour dire à qui point qu'il arrive. Non, tant ça que la jeune, mais en principe, ni Hamas, ni Israël, et les États-Unis, et notre causé à tout parce qu'il y a des Américains, tout, donc pour que la mesure de la jeune, libération, et ils ont parti, ou bien si c'est pas tout pour la jeune. Mais il ne faut pas vous débattre des détails, la maison ne va pas faire comme déclaration sur ça, mais nous apprenons que les déclarations sont en cours, et pour que les États-Unis nous entendent dans son capital, mais il n'y a pas de détails qui sont dit. Sous les négociations, ça a fait. Mais ça va empêcher que les soldats israéliens continuent à marcher sous
sur les positions que Hamas occupe dans le territoire Gaza, face à l'attaque attaqué l'hôpital indonésien, et que le soir indonésien qui est condamné à l'attaque sa fête sur l'hôpital là, côté monsieur Tiron, la bombardier, sur l'hôpital là, côté une victime qui fait dans l'occasion ça. En fait, d'après les chiffres qui baillent jusqu'à présent, plus de 1400 Israéliens que les Hamas attaqués qui étaient morts, et puis de temps en temps, il y a des soldats israéliens qui sont morts. Mais effectivement, il y a plus de 12 000 Palestiniens qui mourent. Et puis, il faut que les Palestiniens c'est civil. La communauté internationale a continué pour essayer de calmer Israël pour lui faire une pause humanitaire pour permettre l'assistance qui veut joindre les Palestiniens. Mais Israël est déjà en train de faire une pause. Mais l'elle fait attaquer, c'est le monde qui l'a gâté. Donc, et le ministère de la Santé publique palestinien lui-même lui continue à pas annoncer et on va prendre les prises qu'on pose sur question ça, qu'on campe. Les Israéliens ne peuvent pas camper tout le plateau d'otage, ils ne peuvent pas lutter. En fait, c'est pour déballer, ça dépend de quelle position camper. Il y a des gens qui campent dans le camp d'Israël qui dit que c'est normal qu'Israël a défendu la tête, mais il y a des gens qui dit que Israël, même si Israël doit défendre la tête, il n'est pas capable de tuer innocents dans la guerre, ça, dans la guerre qu'il a fait contre Hamas. Il y a des manifestations qui sont en faveur d'Israël, qui dénoncent ça, Israël a fait. Donc ça dépend de qui vient sur le dossier. Notre grande position, c'est l'abdominal actualité à tout. Pas bien que nous avons une électorale aux États-Unis. Et nous avons une électorale aux États-Unis. Donc dans un an encore, il y a des élections aux États-Unis. Non, le pareil concernant la période de ça. Il était probablement qu'on connaît le prochain président des États-Unis. Est-ce que c'est le président Joe Biden, nous connaissons qui candidat pour cette question-là, ou bien c'est le candidat dans le camp démocrate qui peut être talonné d'abord pour rejoindre une nomination au Parti démocrate là, si c'est à ou bientôt, est-ce que c'est un républicain. Nous connaissons par exemple l'ancien président Donald Trump sans s'appeler dans son sondage d'opinion, donc l'intention de vote, yo, pas les républicains. Yo, donc, mais il n'y a que d'attendre. Il y a un autre programme de l'actualité, il y a un premier ministre Ariel Henry qui était trouvé là et en Arabie Saoudite, non, et Riyad, qui ont été un sommet CARICOM avec Arabie Saoudite. En tout cas, le premier ministre a publié sur le compte, une photo côté de fait photo avec prince héritier avec prince là. Et bon, moun fait moun peut en pile critique sur le sur ça, mais pour nous aussi et tout, nous accordons tout et on sort de partenariat avec l'Arabie Saoudite et qui basé sur infrastructure avec l'autre domaine encore que certainement le gouvernement saoudien ou le royaume saoudien capable d'une côté et une sorte d'assistance à Haïti. Et puis gagner tout Paul qui a parlé là actuellement la possibilité pour gagner pour gouvernement t'a publié liste et personnalité qui va faire partie du comité transition ou bien comité révision constitution avec liste membre conseil électoral provisoire. Ça qui t'avait dit pays à travers sur route pour y aller samedi pour y monter et pour t'organiser les élections. Bon, qui dit que voulez parler que quelle va sa première faire le 7 février, il faut le travailler parce que c'est pour moi ce qu'il a fait le 7 février. T'as bon gouvernement, t'as bon gouvernement élu, t'as bon président élu, bon, ça va faire, t'as bien parlement élu, ça va faire. Donc il m'a dit pour l'aller pour le remplacer. Mais il y a encore controverse qui a fait autour de et remplacement et ancien premier ministre Ariel Henry. Et en fait, l'ONU qui représente l'ONU en Haïti dit qu'il n'y a pas de remplacer un gouvernement de transition par un autre gouvernement de transition. Donc, il t'a encouragé à ce que le premier ministre Ariel Henry allait dans la direction pour organiser les élections. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas fini clair net. Mais l'opposition elle-même lui dit non, pas question. Et c'est ça qui explique peut-être l'échec des dernières délégations. Et CARICOM, sur le visage d'Haïti, qu'on n'a pas cherché mes départures ensemble pour des genoux en temps, mais les partis en position, ils ont dit non, et ils n'ont pas faim, hein, si le premier ministre Ariel Henry n'a pas démissionné, donc malgré toute position que personnalité CARICOM a fait, toute insistance qu'ils ont fait, donc finalement, ils ont retourné, mais
négociations pas fermées. Mon cap supporter à COP 21 décembre 2022, donc supporter et premier ministre Henri, même dit que le premier ministre n'a pas besoin d'un accord encore. C'est le besoin de nous entendre avec les partis concernés pour mener le pays dans les élections. Donc c'est la main de ça. Et puis, force Kenya jusqu'à présent, et bon, ils s'opposent tout. Mais malgré que le Parlement, en fait, ce n'est pas le Parlement complet, c'est la Chambre des députés à côté. Yo déployé pour ça, mais le Sénat qui peut faire ça. Le Sénat qui peut faire ça tout parce que c'est un Parlement à deux têtes que le gagne. Et puis, que je suis lui-même lui envoyer décision par là que on branche l'opposition t'es porté devant yo et pour ne pas déployer police là en Haïti. Et que je suis envoyé question ça. Pour fin janvier 2024, les salles vont prendre une décision pour décider si ou non après. Mais ça va empêcher que le dossier n'a pas avancé, pour participer, continuer à faire. Et en Haïti, l'opinion a commencé, il y a des gens qui sont en faveur, il y a des gens qui sont pas en faveur pour une force, parce que je dis que force n'a pas bien passé pour police nationale là, mais c'est vraiment une forme de support que le bras lié pour aider la police nationale là, dans la lutte la première. Contre et gang Améo et certainement pour aboutir capable de déboucher sur les élections. Et puis il y a l'OEA qui votait, qui demandait Mamnio pour supporter force multinationale. Alors il y a une force de support multinationale de sécurité et MSSHM. Dans son mission de support et de sécurité multinationale pour Haïti. C'est bah aussi une bien jeune définition. Mais c'est pour ça qu'il a parlé. Alors, l'OEA a demandé lui-même pour que le pays membre, l'organisation régionale là, et pour te supporter avec force ça qui est pour aller en Haïti. Bon, support à venir, n'importe qui genre, il y a un pays qui est d'accord pour vous représenter pour participer dans force ça. Mais il t'a semblé que jusqu'à présent, c'est Kenya qui est capable de prendre tête. Et mission celui-là. Et puis, gagner tout. Et puis, les gens qui ont ici, par contre, les non pays qui ont justice haïtienne contre ça pour le faire. Mais il y a un groupe sec haïtien, parmi eux, il y a quatre haïtiens qui ont une mineure. Alors, ils ont assigné l'État Indiana pour peut-être qu'ils ont accusé pour discrimination qui a fait pour empêcher. Et étrangers, les gens qui vivent dans l'État, les gens qui entrent sur le programme Biden, que sur le programme humanitaire Biden, eh bien, il y a une loi qui est passée et qui est censée barrer ou là, ou qui empêcher les gens qui entrent dans le programme Biden d'avoir accès pour faire une licence, un permis de conduire. Eh bien, quand ils sont là, ils sont l'autre, alors c'est 5. Eh bien, avec support et US et un syndicat, eh bien, ils ont porté plainte et ils ont demandé pour que, parce que la loi permet que Ukrainiens qui viennent sous même parole, dans même programme, ça tout, que Ukrainiens eux-mêmes sont capables d'avoir accès pour faire des choses. Mais ils ont demandé qu'il faut que la loi, il faut que les juges et faire pour que tout le monde ait même droit à tout, il y a alors. Et 4 haïtiens ça au plus l'autre haïtien de dinars, alors l'autre haïtien lui-même c'est un mineur, mais lui-même il a un problème pour gagner une pièce d'identité, donc il a besoin de pièce d'identité, il veut qu'on besoin de licence. Mais l'autre 4 haïtiens c'est mon qui a besoin de licence parce qu'il y a un là-dedans qui a travaillé d'abord qui a travaillé comme interprète et la vie dans section et ça dans une zone rurale, donc une zone retirée des parcs de transport public, et puis il a travaillé comme interprète, mais il a l'autre job, il a 2 jobs. Après ça, un article qui est publié, le monsieur a deux jobs, mais il y a une difficulté pour la langue job interprète. Là, l'elfine travaille, l'elfine dans le premier job, il y a une difficulté pour la langue parce qu'il n'y a pas de machine. Et côté de l'ITA, il n'y a pas de transport public, donc ce n'est pas une motivation qui fait que de ce ça-là. Mais responsable de la justice, on va promettre pour prendre décision dans le jour et dans la semaine, ou bien dans le mois qui vient concernant de ceci-là. Donc, par contre, les Haïtiens ne connaissent pas les douanes violettes, même si, bon, okay. Au final, je vais dire, je vais aller voir ça à les oreilles.
Et alors, le dossier ça a avancé. Et puis, le dossier Canada sera fait pour l'humanité Canada. Canada, pas bien, Canada ouvre un programme. Et pour le bail, 15 000 et immigrants qui sont dans l'hémisphère occidental là, un type d'assistance permettant de rentrer au Canada. Et même si avec le type programme Biden, et si le programme Biden est beaucoup plus élargi, il est étendu à tout le monde, tout le groupe de monde qui choisit comme Cubain, Canadien, non, pas Cubain et Nicaraguayen, Vénézuélien et puis Haïtien. Alors, le programme Canada, il est plus intéressé, par exemple, avec Colombiens et puis Haïtiens, mais c'est 15 000 liés. Mais conditions pas aussi faciles que c'est un programme que les États-Unis offrent. D'abord, il faut qu'on doit vivre au Mexique pour bénéficier d'un programme. Ça va pas vivre au Mexique avec l'autre côté qui part aux États-Unis. Pas doit vivre aux États-Unis, soit aux États-Unis ou pas participer d'un programme. Ça. Mais il faut vivre au Mexique ou bien vivre de l'autre côté, ou en Haïti par exemple. Et que par exemple, côté ça, on ne peut pas participer au programme. Mais le programme, il faut que les gens qui sont au Canada, les gens qui sont patronnés, il faut que les gens proches de la famille. La famille, il faut que c'est madame, mari, petite, quelque chose. La petite là, et concubine, ça a été un passage légal. Il faut que les gens qui sont capables d'appliquer pour eux, il faut que les citoyens canadiens, il faut résider au Canada. Moun kap supporto la. Mais non fa moun sa li même tout. Li pa déjà en charge publique pour Canada. C'est-à-dire que pa moun kap supporto assistance. Faut le montrer que le capable supporto leur vie. Et puis ou même tout faut pari pour al vivre pas au Québec. Faut qu'ou al vivre en dehors de Québec parce que Québec gelet te gen en opposition avec question programme ça. Donc faut pari pour al vivre non l'autre État, ou bien l'autre province, mais qui n'est pas Québec. Donc, il ne faut pas aller pour aller là. Et puis, il ne faut pas avoir un dossier quasi judiciaire, il ne faut pas avoir une action justice. Il faut avoir un propre au point de vue justice. Donc, il ne faut pas avoir une condition que mon patron là pour remplir pour le capable. Donc, si nous avons besoin de plus d'informations, nous allons aller sur le programme et dans le site et Immigration Canada, nous allons avoir plus de détails sur qui est-ce qui est éligible et qui est-ce qui n'a pas qualifié. Mais sur un dernier, il y a un autre sujet qui est venu sur le même programme, ça, avec Québec, qui est dit pas à tout le monde, mais il y a la pression de faire tout le monde, c'est bon, qui a changé l'idée, mais il a demandé à ce que les immigrants qui étaient venus pour participer, pour faire un test en français. Les femmes disent, Haïtien, il y a plus de chance pour Haïtien qui a réussi dans le programme, parce qu'il était dit que plus on a déplacé en Haïti actuellement, c'est vous qui, au niveau de l'éducation, avancé, donc on va se comparer avec par exemple un Colombien qui plus parle espagnol qu'elle parle français. Donc mais qu'on a l'Immigration Canada publié ça, notre ça publié vendredi pour dire est un programme. Donc sous besoin plus de détails, on va toujours encore consulter. Il y a un monde qui est dans le domaine là, c'est un avocat immigration qui va avoir plus de détails. Mais programme là, mes amis, il est gratis. Même si on voit programme États-Unis. Et le programme Biden est gratis, il n'y a pas de goutte pour le monde. Par exemple, il y a des gens qui demandent pour payer 3 000 $ et un papier pour vous, pour vous venir, etc. Et puis, on a un choix après ça. Le programme est gratis, tichéri. Même si j'avais le programme Biden, le programme humanité Biden, c'est un programme gratis, tichéri. Et c'était lors des États-Unis, il y a des débats pour entreprendre. Pourquoi j'ai payé frais, par exemple, pour un permis de travail, il faut payer frais pour un permis de travail, pour coûter 410 $ pour un permis de travail aux États-Unis. Mais ce programme, ni le programme Canada, ni le programme États-Unis, il est limité en termes de quantité de temps qu'on a passé dans le programme. Mais le programme Canada est beaucoup plus, un programme beaucoup plus familial, une réunification familiale. Il faut que les gens qui font mieux, et ce n'est pas cousin, non? Je ne vais pas dire cousin par là-dedans. Et tu as une question que tu as posée, est-ce que si on avait étudié au Canada, est-ce que madame Mouinta en Haïti, est-ce que tu as fait madame Mouinta dans le programme ça? Je ne sais pas, je demande à un monde qui est dans le domaine et il n'a pas de réponse exactement ceci. En tant qu'étudiant, on ne peut pas faire madame Mouinta dans le programme ça. C'est ça que je te dis, nous. Et puis.
Eh, allez là. Oui. Oui, parce qu'il faut vivre en Amérique. Alors, pour bah, il faut non seulement vivre au Mexique, pour vivre en Amérique centrale et puis Caraïbes. C'est côté que ça, on doit vivre. Et puis, il faut vivre en dehors du Québec. Ça, c'est condition que les gens avaient posé. Et puis, il y a tout. Et bon, des autres, comme on continue à faire toujours. Et entre les amis, on continue à opérer. En attendant que Force Kenya arrive pour venir mettre le monde des autres, monsieur continue à opérer sans propre et être chargé. Bataille qui vient dans Vareux, qui t'a empêché que le produit de l'État allait dans le Paris Sansur, que les batailles ont campé, mais elle permet que le gaz continue à aller. Puis monsieur, les gars, en plus de mon cap de gaz, nous faisons payer 200 000 gouttes par mois comme et frais. Nous les ça et ouais faire monsieur bébé mais camion qui a porté gaz une pipe 20 000 gouttes par voyage et c'est ça que la police sur la PC combat par exemple dans sortie sud capitale là dans par exemple zone Miami côté gon seule route son couloir lié et monsieur dernier mandat ici pour j'étais pas content ça parce qu'on la bat dans zone là et puis t'as pas fait mon pays parce que monsieur négamé yo gain yo organisé yo. Et vous faites tout un café et puis on doit de passage. Voilà, les gens qui cherchent. On doit de passage et qu'on paye pour passer. Donc, bus, par exemple, qui transporte, machine de transport qui transporte les passagers, aller que ce soit vers le nord ou bien encore dans la Tibonie, etc. Monsieur, ça paye un droit de passage. On doit de passage. Pour les gens qui vendent et compagnie qui distribuent les produits pétroliers et tout, ils ont même tout compagnie, mais là, ils payent 200 000 gouttes, d'après nouvelle yo, 200 000 gouttes chaque mois, ils baillent chef gang, non, mais qui gagne la mer. Et puis, la machine qui a porté gaz à lui-même pour porter dans le complot, ils payent 20 000 gouttes par voyage. Donc, ça veut dire que tout comme ça, yo, tout le qui est souligné, eh bien bon, tout simplement, on est allé sur une user, c'est-à-dire que dernier mouna, c'est passagère. Passagère qui va l'utiliser. Même j'ai tout sur Parlant Province, où tu peux payer 10 gouttes, 2 dollars pour ta long côté. Eh bien, le fait que M. Negame, qu'on y a un frais qui fait bus sur payer, bien, autobus a dit pour monter, il dit, madame, monsieur, madame, mais qu'on peut pour ça coûter, parce qu'il y a pour le payer, la passagère. Et qu'il y a un côté, il y a payé deux fois. En deux fois à payer, et je travaille plus longtemps dans la femme, mais la police a essayé de couper dans la zone pour éviter que bah, la papille. Mais jusqu'à présent, les autorités haïtiennes n'ont pas tellement dit gros sur la question ça et qui façon que ne pas combattre ça. Mais l'État ici pas fait mon pays, par exemple, droit de passage, alors que M. Améo même il a un côté de Tioncop et chauffeur. Et, bon gré malgré contre eux-mêmes, ils payent quand même. Ils payent quand même. Mais c'est pas ça, c'est pas ça, j'ai annoncé de côté, donc j'ai payé ça. Et puis dossier et frontière là, bon, bah, ils n'ont pas fini trop clair jusqu'à présent toujours. Et il t'a semblé que il faut qu'à fait dans le zone à la main, le travail a continué quand même. Il y a une difficulté tout, et surtout au point de vue technique. L'État ici était pour mettre au balancier d'assistance pour le PVOE. Mais il y a des difficultés, le travail est en ralenti. Contrairement à ça, tu as dit que tu as la tapinoguré et bah, ça, ou bien encore, le canal ça, tapinoguré, bon, il n'est pas fait. Il est envoyé signé, c'est-à-dire qu'il y a une date ultérieure, personne ne va compter les droits de fait. Mais maintenant, le travail a continué et puis il faut qu'il fait justement, il y a un cap demandé pour que l'autorité de pays, surtout commerçants dominicains qui peut être plus grand perdant. Dans position haïtienne adoptée actuellement sur frontière, c'est eux qui pigent au perdant, et bien bon, il n'y a pas encouragé. Le gouvernement dominicain pour lui-même, il travaille avec l'autorité haïtienne pour réveiller nous en temps. Parce que l'État haïtien a des revendications partout, le dominicain a des revendications partout, et bien vous voulez que deux parties participent à ces nous en temps. L'autre point, puis je dis, et bien nous rappelons que l'ancienne première dame américaine, Rosalynn Carter, l'année, en fait, le président Jimmy Carter était président des États-Unis dans la fin année 70, de 76 à 80. Oui, 80 c'était Reagan, oui, de 76 à 80. Rosalynn Carter mourit
alors que Marie malade bien grave tout, mais les mourir hier, c'est une femme sans que il mourit. Et puis petite nouvelle sur sport, mes amis, on est nous pas dit fatigue football brésilien avec fatigue football argentin. Yo fait un silence cathédral. Yo pas dit personne pas dit rien tant que rien pas passé équipe. Mes amis, je bah la femme dit nous bah là pas comme ça. En tout cas, il y a tant demain gon gros rencontre dans le match qualificatif pour zone Amérique du Sud là, Coupe du monde 2026 là. Il y a un match qui a joué dans Maracanã au Brésil, c'est Brésil qui a accueilli l'Argentine. Deux équipes ça y a, dernier sorti au fait la semaine passée, mais nous tous les deux tombés, il y a une équipe et Brésil perdu devant Brésil perdu devant Colombie et puis il y a tout Argentine qui perdu devant et c'est pas à gauche, mais ouais. Et je pense que c'est l'équipe qui tient ça. Elle a perdu 2-0. Et alors, Francisco, nous connaissons nous ça, mais personne ne va dire rien. Même Fred, quand il met, nous connaissons même pas l'Empire, l'avant, il a publié, mais je ne sais pas faire silence, je ne sais pas dire rien. Je vais dire pour le camarade gentil Augustin qui lui-même souhaite un bon établissement. Et bien, je ne sais pas dire rien tout, non. Je vais regarder tout le tweet, monsieur, ça va faire tout le texte posté. Je vais mettre un et je ne vais pas parler de match. Je vais parler de match demain. Peut-être demain, il y a une équipe ça, si on va faire match nul, mais fantastique, il y a une équipe ça, on va un peu dire. Dans le quart de finale, match Ligue CONCACAF, Ligue Pays CONCACAF, il y a un match semaine passée, les États-Unis. Contre Trinidad 3-0, un bel match. Trinidad a perdu malgré il a perdu avec 10 joueurs. Il a perdu Kembe tête de face à États-Unis parce que depuis les États-Unis monté dans contre les États-Unis monté sur eux sérieusement et ben maintenant fin match là et ben Américain marqué 3 goals. Trois bel goal, pas de bien discussion sur goal ça yo. Et bon Trinidad je dis à il y a pas contre avec États-Unis mais à part que États-Unis fait ça. En fait, pour traverser dans le prochain, dans ce final-là, il faut être battu aux États-Unis 4-0. Et qui va sembler que ça caille. Mais comme ballon pour tout le monde, il y a l'autre rencontre. Oui. Mais Panama, mes amis, Panama, la caille Costa Rica, dans San José, il y a la Costa Rica 3-0. Je dis à l'équipe ça a rencontré tout. Donc, match retour là de la CAI Panama. Donc, on va voir que l'équipe la CAI a eu plus chance. Et puis, gagner match tour, c'est pas pour demain. L'autre match pour tout cas de finale. Il y a Canada qui est lui-même calé Jamaïque. Canada calé Jamaïque. Et c'est un Canadien d'origine haïtienne qui est lui-même qui suit tout bas équipe Canada. Et la victoire. Et donc demain, il y a un Canada qui a capaqué Jamaïque la Caïli. Donc, nous allons comprendre ce qui va passer. Et puis, Honduras, Honduras calé Mexique tout. Donc, il y a calé Mexique 2-0. Ma stratégie est dans Tegucigalpa. La Caïli Honduras. Donc, match retour là, la vue la CAI Mexique, ça c'est pas pour demain tout. Donc, vainqueur, match retour, donc c'est yo qui a traversé pour semi-finale. Et ça, nous va connaître au moins qui en sait jusqu'à présent. En tout cas, c'est la situation, mais en tout cas, nous avons attention, surtout pour mon équipe qui sont pour match pour équipe pour Comebol. Mais attention, nous avons fixé sur ce match que Brésil a joué, Capaque, Argentine, la CAI, deux équipes sont perdues. Dernier match là, donc on va comprendre qui ça qui est important. En tout cas, et très probablement, et Brésil, pas de service. Quelque élément important dans la sélection qui n'est pas présent dans la rencontre, ça, que j'ai besoin. Mais il y a plus de monde qui dit, même là, on regarde le classement général là, on va voir que Brésil a sa 5e position. Et bon. Et, c'est vrai que la distance qui sépare. Et quand c'est vrai que c'est pas la première équipe là avec Brésil, avec Brésil qui casse en 5e position, la différence n'est pas grande. Et qu'il n'y a pas fini. Donc, mais il pas, contrairement à mon service, l'Argentine a dominé le groupe là. Mais ça va dire, Venezuela qui sont surprises. Venezuela devant Brésil, Venezuela casse en 4e position. C'est-à-dire que grand pile qui va changer dans le prochain match. Ça dépend qu'il y a un résultat, oui. Mais si Brésil. On la traîner comme ça là. Bon,
on connaît nous pas gagne pour ça m'a dit mais bah là pas bon ça en tout cas pas gagne qui co jouer même là que Brésil casse 5e ça va dire que l'a éliminé et même l'Argentine casse 11e ça veut dire que casse 1er ça veut dire que lui même l'a qualifié dit c'est en position pour qualifier Brésil en position s'il la continue à perdre ben on ça va passer ouais et puis dans ce continent européen dans le match qualificatif Coupe du Monde avec en pile balle la France et ce calé on était une équipe là 14-0 et première fois que ça fait et dernière fois la France calé équipe a un petit goal comme ça c'était 10-0 et bien face à et la France calé équipe 14-0 donc on compte bien qui compte pour ça là. Et les amis m'ont dit nous passer un bon week-end, on est bien content, eh bien, pas bon week-end, une bonne semaine, en compagnie de la voix de la mairie. Nous avons pour demi-là, le soleil, ça que nous devons comprendre. Même le soleil, il fait vrai quand même. Donc, moi-même, je suis venu à la France quand tu parles avec nous pour me dire ça. Et puis, nous avons pris le programme là, petit côté, nous avons pris la 11h. Bon, à 11h, nous avons pris la conversation à 11h. À moins que si je ne parle pas, bon, son autre bagage m'empêche. Il ne m'empêche, donc il n'y a qu'un programme là. Et il n'y a pas ça. Au lieu que je me suis bien, je me fais attendre. Il y a moins nous en pile, nous en pile. Et moi, je lui dis en pile, commentez nous, je suis bien content. Merci pour le commentaire que nous faisons. Et maintenant, je me suis dit, ça c'est fait aux États-Unis. Et je me dis, je suis capable de parler, de lâcher la gombaille, vendredi noir. C'est là peut-être que les commerçants ont commencé. Commencer à faire profit et là comme ça fait profit c'est le ça tout produit on sait de bail vendre pas meilleur marché mais quand même moins cher que les gens côté acheter donc c'est le ça américain cherche comme pour aller acheter ça c'est pour vendredi et puis dans lundi qu'a venu avec le cyber monday donc ça c'est bail électronique. Et ça, mon avachi bas électronique, ordinateur, tout bas matériel, tout gadget, mon besoin avancé. Et ça a coûté un petit peu meilleur marché, contrairement avec les sous-tâches qu'ils ont dans l'autre. Et puis, ou même, chercher côté nan, côté l'IA, sous besoin de recette là, ça me connaît ma bonne recette là, qui vient pour réussir et qui vient pour réussir en côté. Et pour tout le monde satisfait, tout le monde finit de manger, puis je dis merci en pile. M'a voulu cette là-bas non si n'était c'est m'a voulu cette là-bas m'a dit on quelque petit secret que nous avons que qui gagne en face mais face bye bye tout le monde bonne semaine.